Salut les amis, on part pour une nouvelle aventure. On parle souvent de notes de café dans la bière, surtout pour les bières brunes. Mais qu'est-ce que ça fait si on met vraiment du café dedans? Suivez-moi. Et surprise, on est chez Moxa, un torréfacteur lyonnais. Bonjour Thibaut. Salut Oran. Bienvenue. Bah merci, ouais, merci de nous accueillir. Je te vais visiter la torréfaction. Ah bah carrément, je suis chaud. Allez. Oran, j'ai envie de brasser une bière brune, une stout plus exactement, et j'ai envie de mettre du café dedans. On m'a dit que vous étiez des génies de la torréfaction, vous aviez plein d'idées. Est-ce que tu peux me montrer les coulisses? Écoute, tu es au bon endroit Thibaut. Ici, on torréfie du café de spécialité depuis maintenant 10 ans. Tous nos cafés sont issus d'une démarche qualitative et durable, cultivée par des producteurs passionnés. Voici le décor. Stylé. Là, Thibaut, on a du café vert. Ok. On a différentes origines qui évoluent en fonction des récoltes. Ok. Est-ce que c'est un peu comme dans le malt dans la bière où on va le cuire et ça va changer de couleur? Absolument. Avec la torréfaction, le café va passer de la couleur verte à la couleur brune. Ok. Viens, je te montre la torréfaction. Bah, vas-y, carrément, ouais. Pour faire simple, Thibaut, la torréfaction, c'est un peu comme une cuisson lente. L'idée, c'est de cuire le cœur du café sans le brûler. Et au fur et à mesure de la torréfaction, on va avoir le grain qui va changer de couleur. Tu vois que ça brunit, la couleur change. Et en fonction de l'identité du café, on va appliquer une recette. En fonction de son origine, son process, ses caractéristiques. Ça sent déjà un peu le pain grillé, donc... Ah là, il va être pas mal. Maintenant? Vas-y. Allez là. Oh, il fait chaud d'un coup. Du coup, là, le café est torréfié. Okay. Il est bon à déguster. Ça sent trop bon. Attention, c'est chaud. Ah ouais, carrément un peu, ouais. Ça trop bien. Du coup, on va aller voir déguster différents cafés pour choisir celui que tu veux pour ta bière. Allez, vas-y, carrément. Oh. Je peux goûter? Ouais, vas-y. Thibaut, place au cupping. Dégustation à la brésilienne, qui va nous permettre de choisir ton café pour la bière. Pour la dégustation, tu prends un peu de café avec la petite cuillère, et après tu vas slurper. Ok. À toi. Vas-y. À la brésilienne. J'ai pas la technique encore, mais là, c'est bon. Allez, le dernier. Ouais, c'est celui-là mon préféré. Il te plaît? Ouais, carrément. C'est parfait. C'est du Panama ou process nature. Donc t'auras du fruit et du corps. Puisque je veux. Nickel. Yes! Bon, ça m'a donné une pêche ce café. Bon, j'ai un petit cadeau pour toi aussi. Ah. Je t'ai ramené du malt torréfié qu'on utilise pour brasser l'une de nos bières. Et je te mets au défi de faire du café d'orge. Ah ouais? Allez, deal accepté. Allez, parfait, Wakatepe. Pensiez tout de même pas qu'on allait partir brasser une bière sans vous amener dans mon endroit préféré à Lyon. Les bouchons, c'est la vie. Et là, je vous amène dans le meilleur, notre maison. Suivez-moi. Chantons les gratons et les paquets de toile et le Beaujolais qui coule à plein pot. Je prends des forces. On se retrouve pour le brassage à la maison. On y est les amis, on va se brasser cette bonne milk stout au café avec du bon malt torréfié, du bon café de chez Moxa. On va se faire une bonne bière bien chaleureuse et gourmande pour l'hiver. Je vais pas refaire toute la présentation, mais pour ceux qui veulent refaire leur recette chez eux, rendez-vous sur le blog. La première étape, c'est la phase d'empâtage, c'est-à-dire qu'on va extraire les sucres présents dans les céréales. Pour ça, on va donc mélanger de l'eau et des céréales concassées au préalable et monter en température jusqu'à obtenir un jus sucré. Là, on brasse une stout, une bière brune. Alors, j'ai fait une sélection de plein de malt torréfiés. Il est venu le temps de filtrer tout ça. On a envie de se débarrasser de la partie solide. Maintenant qu'on a notre bon petit jus maltais, on va encore rincer les drèches pour extraire encore plus de sucre. Et ça, pour y arriver, on va, comme je vous le dis d'habitude, on y va mollo, fine pluie, pour rincer tout ça. Hop 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 les amis, il est temps de faire bouillir notre moût et de faire entrer en piste le houblon. Car oui, même si on ne brasse pas une IPA, le houblon est très important dans toutes les recettes de bière. Il permet de garder l'équilibre des goûts. Allez, je tape sur 100 degrés et on va rajouter notre houblon pour donner un petit peu d'amertume. Dans cette recette, on va rajouter du lactose, c'est le sucre du lait, ça va donner de la rondeur, de la douceur et un côté crémeux à la bière. On rajoute bien du lait dans le café, alors pourquoi pas dans une bière au café?
petit tuto beauté. On va attaquer la phase de fermentation. Pour ça, on va incorporer nos petites levures dans un moût qu'on a descendu à 20 degrés. Les levures vont venir manger le sucre pour les transformer en alcool et en CO2. On est parti pour une bonne quinzaine de jours de fermentation et de maturation. Allez, c'est parti. La fermentation, c'est fini. Mais dis donc, il nous manquerait pas un petit ingrédient dans notre recette de mix au café? Le café est parti. Et comment on va l'incorporer dans notre cuve? On a décidé de faire un cold brew. C'est-à-dire qu'on a fait infuser toute une nuit notre café du Panama qu'Oran nous a passé à froid. On l'a filtré et on va l'incorporer dans notre cuve avant la phase de refermentation en bouteille. Allez hop, chop chop. Let's go, la refermentation. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. On s'est fait un délire 100% lyonnais. On allait voir nos potos de chez Moxa. Merci à Oran et toute sa team. Et merci pour le café! C'était excellent, ça m'a donné une pêche d'enfer. On allait à notre maison se remplir la panse, c'était divin. On est rentré en skate tant bien que mal. On est rentré ici pour se faire notre mixed out au café. En attendant, je vais réfléchir à notre prochain épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt. Bisous, ciao!